Madame. Mr. Fry. Prête à prendre l'air? C'est l'heure à laquelle Devil's Acre prend vie. Je crains de devoir annuler notre rendez-vous. La pelouse. Grouille de journalistes friands de scandales. Et je ne peux me montrer en compagnie de quelqu'un d'aussi. Je vais les chasser. Rejoignez-moi quand ils sont partis. Oui, oui. Mais soyez courtois, voulez-vous? La presse est extrêmement chatouilleuse et sensible à toute violence à son endroit. Je vous promets de ne pas trop les secouer. Silence, Desmond. Tiens, débrouille-toi pour que ces hommes là-bas me suivent. D'accord, monsieur. Hé, regardez! C'est Squire Bancroft! Mieux vaut que je les sème avant qu'ils ne me mettent en pièces. Monsieur Bancroft! Monsieur Bancroft! Quel sort? Félicitations, jeune homme. Dizzy devrait faire appel à vous pour s'occuper des libéraux. Bravo. C'est qui le cheval? C'est toi. C'est la femme du Premier ministre. Personne ne doit me voir ici, Mr. Fry. C'est bien. Tâchons d'éviter, c'est mon tour. Bravo. Oui, c'est ça. Continue. Vas-y, ma jolie. Voilà! Oh, quel endroit! Donnez-moi le bras, Mr. Fry, et voyons ce que nous réserve The Devil's Acre. Votre chien a l'air fâché. Oh, Desmond va bien. Mais il n'aime pas beaucoup les étrangers. Ni les chats. That's your criminal element, that is.
Donnez-moi le bras, Mr. Fry. Et voyons ce que nous réserve The Devil's Egg. Votre chien a l'air fâché. Dead as a doornail, it's been you, my friend. Mr. Fry, regardez ces deux-là. Oui, je crois qu'ils... J'ai été mariée deux fois, Mr. Fry. Je sais reconnaître ce genre de choses. Que Dieu les bénisse. Quelle sorte de viande vend cet homme? Mieux vaut ne pas le savoir. Pourquoi? Est-ce une chose affreuse? Ah! Du rat, peut-être? Je ne veux pas être indélicat en votre présence. Mais on appelle aussi ça du mouton qui aboie. Nous y voilà, ce bon vieux Wanton Pub. Donc ceci est une pinte, n'est-ce pas? Remarquable.
Joli chien. Rends-moi le clébard. Tu changeras de ton quand on t'aura retrouvé. Allez, Desmond, on va te ramener à ta maîtresse que j'ai laissée seule et sans défense dans l'un des pubs les plus dangereux de Londres. Mais si vous n'avez jamais dit à votre père ce que vous pensez de lui, comment peut-il le savoir ? Je n'avais jamais vu ça comme ça. Au fond, on veut tous qu'on nous aime. Très juste. Tenez, prenez un bonbon. Ah, Desmond et Mr. Fry, j'aimerais vous présenter. Oh, désolé, je n'ai pas retenu votre nom. John LeBranc. Enchanté. Je crois que nous ferions mieux de rentrer. Bonne idée, Mr. Fry. En avant, Desmond. Regardez qui voilà! C'est notre promeneur de chiens! Oh. Allons, ne nous fâchons pas pour si peu. Soirée aussi revigorante qu'instructive, Mr. Fry. C'est moi qui vous remercie, madame. Peut-être pouvez-vous me parler de l'homme en train de vous ça ? Oh, bien sûr. L'individu que vous cherchez est Lord Cardigan. Il est d'un ennui mortel. Il assène à tous ses prouesses militaires. Savez-vous où je pourrais le trouver pour l'aborder discrètement ? Je crois, oui. Il est en ville en ce moment, à faire campagne contre la loi sur la collusion. Vous le trouverez sans doute au palais de Westminster, mais soyez prudent. Le gouvernement ne pourrait se permettre un nouveau scandale. Vous pouvez compter sur ma discrétion. Votre arrêt, madame. Mon arrêt. Oh. Quel joli langage! Merci pour cette très belle soirée, Mr. Fry. Je dirai le plus grand bien de vous à Dizzy. Oh, oui. Thank you.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mot de passe pour voir Lord Cardigan ? Du calme. J'ai ce mot dans ma poche. Je compte sur vous. Personne ne doit passer sans mon autorisation. Cardigan est allé trop loin. J'ai bien envie d'en référer à Scotland Yard. Allons, messieurs. Je croyais que nous formions un front uni contre cette loi perfide. Balaclava. Bon sang, c'est une évidence. La loi sur la collusion a toutes les chances de passer. Je dois dire que l'Israélien a très bien manœuvré. Cette tentative de meurtre lui a été extrêmement difficile.
La loi sur la collusion a toutes les chances de passer. Je dois dire que Disraeli a très bien manœuvré. Cette tentative de meurtre lui a été extrêmement salutaire. Gladstone est hors. Gladstone s'est laissé prendre. Pardonnez-moi, messieurs. Sergent Freddy Haberlin de Scotland Yard. Où peuvent bien se dérouler ces activités scandaleuses? Oui, c'est... par ici. Suivez-moi, sergent. Mais... discrètement, s'il vous plaît. Je n'aimerais pas qu'on me voie dénoncer l'un de mes collègues parlementaires, voyez-vous? Je sais me montrer discret. Généralement, je me déguise, mais mes vêtements sont tous dans la Tamise. Mais d'où sort-il? Finissons-en! Pauvre de moi. Pourquoi tu allais, toi? Tu ne m'échapperas pas. Touche sur lui, il est dangereux. Je vais t'apprendre de toute manière. Mais comment une statue peut-elle être aussi crasseuse?
Kratos. Je vous tourne pas. Pour entrer, il faut le mot de passe. Savez-vous qui je suis? Je suis membre du Parlement, sombre idiot. Balaclava. Allez-y. Ah, monsieur Hacker. Un instant. Maintenant, discutons de ceci en... Grand Dieu! Mais qu'est-ce que... Oh, tu vas te taire. Balaclava aura été privé d'une fin glorieuse sur les champs de bataille de Crimée pour périr de la lame d'un assassin sous les lambris du pouvoir. Vous avez fini. Réjouis-toi, canaille. Tu as réussi ce qu'aucun canon russe ou tigre des Indes n'est parvenu à accomplir. Empare-toi de ton trophée. Étouffe-toi avec. Oui, mais dis-moi plus sur Balaclava. Adieu. Adieu, douce Britannia! Tes lendemains seront bien ternes sans le comte de Cardigan. Dieu protège la reine et le 11e hussard! Quelle plaie! Bien. Oui, à part l'escadron de la mort qu'on a aux trousses. Les renforts arrivent. Mais pourquoi tu prends autant de risques? Ce n'est pas à toi de combattre les Templiers. J'ai eu un camarade, le fils de notre chef. Au début, je ne l'aimais vraiment pas. Tout le monde le traitait comme s'il était le meilleur d'entre nous. À mes yeux, ce n'était pas justifié. Il ne s'impliquait que dans ce qui le touchait personnellement. Je me trompais sur lui. On est devenus amis. Il a vécu un enfer. Et à la fin, il nous a tous sauvés. Alors, je crois que... Il est trop tard pour des excuses, mais je ne sais pas.
Je peux essayer de suivre son exemple. Tu es un bon assassin. Waouh, la vache! Bonjour. Ça faisait trop longtemps. Kalina! Bon sang, je ne t'avais pas revue depuis qu'on a fait sauter ce labo à Paris. Là, il y a eu beaucoup d'explosions et tu as hurlé comme un bébé. Bishop m'a dit... Kotzoberg est ici. Je vais le tuer pour toi. Génial, super nouvelle. Maintenant, si ça ne te gêne pas de monter la garde, je vais me laisser mourir. Repose-toi. Un dur combat nous attend. Sean et Rebecca sont en sûreté. Mais on compte toujours sur toi pour trouver le suaire. Nigel a encore fait des siennes.